Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95 FM en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole et on va prendre Mike. Mike, bonjour. Allô, Mike. Ronnie. On va prendre Ronnie. Mike, il est parti. Tu peux revenir. Bonjour. 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 Alors, voilà. Vous avez posé la question sur le thème de Jésus-Christ, etc. C'est la Pentecôte, etc. Et ses conditions, etc. Mais j'étais en train de poser la question en ce moment sur la vie du Christ, ce qu'il a fait pour son peuple. Et ma question, c'était selon... Enfin, c'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'il se rendait compte qu'il était en train de se mettre en porte-à-faux avec... avec la puissance romaine et la puissance des grands prêtres qui avaient tenu un accord politique avec le roi Hérode à l'époque pour que les Romains laissent le peuple juif pratiquer leur culte
Jordanie et tout ça, à l'époque du Christ, c'était un état de siège, etc. Donc, c'était une ville qui allait devenir romaine. Vous voyez ? Oui, qu'est-ce que vous pensez vous-même ? Vous pouvez nous donner votre avis, Ronny ? Mais moi, je pense que... Moi, je pense que c'est... une fois que je suis un petit peu... J'ai fait ma foi évoluer, qui est devenue un peu plus concrète que rester à l'état infantile, je découvre que, bon, le Christ, en voulant donner une réponse aux attentes, parce que le peuple, les Hébreux, à l'époque, ils vivaient dans l'espérance d'un envoyé qui leur était promis par Moïse, etc. Donc, vu l'état politique de l'époque, c'était un peuple assez soumis, assiégé, esclave de toutes les nations, etc. Donc, ils vivaient dans l'espérance. Ils vivaient dans l'espérance, mais les grands prêtres dans cette époque-là, pour que leur religion ne disparaisse pas, ils ont signé, il y avait un accord politique, etc., pour que la civilisation romaine les laisse quand même pratiquer leur culte, alors que lui, le Christ, il a voulu faire bouger les lignes, il a voulu moderniser, faire bouger cette espérance. Et c'est pour ça qu'il était contre le fait qu'ils leur reprochaient beaucoup de trucs aux Sadducéens et puis aux pharisiens qui étaient les grands prêtres, comme quoi qu'ils restaient trop protocolaires, ils restaient trop dans la tradition. Vous voyez ? Alors, il a voulu moderniser, il a voulu encore aller plus loin que la loi de Moïse, sans se rendre compte qu'il était en train de casser un accord politique passé entre le roi Hérode, ou comment il s'appelle, celui qui était le préfet des Romains, là, et avec les grands prêtres. C'est pour ça que les grands prêtres, ils ont dit, bon ben, il va trop loin dans ses propos, pour qu'on puisse avoir la paix, mieux vaut le faire crucifier, au lieu que ce soit tout le peuple juif qui passe à la casserole sous les mains romains. Et je pense qu'il y a un problème politique que le Christ n'a pas mesuré en voulant moderniser, faire bouger les lignes, innover, pour que dans la paix, pour que le peuple hébreu puisse évoluer à travers le monde il a amené une modernité plus profonde que la loi de Moïse. Très intéressant. Non, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est une version rationnelle laïque de la révolution de Jésus. Mais tu sais, c'était qui, première personne qu'ils ont désigné Jésus comme sauveur des Juifs? Moi, j'ai pas compris. À chaque fois, Non, tu sais que quand il est né, il y a un groupe de trois personnes qui vient le voir et dit à Marie que ton fils, il est sauveur de Juifs, etc., etc. Ça, tu le sais, cette histoire? Oui, les rois mages. Voilà, c'était qui les rois mages? Les rois mages, c'était des rois, parce que je sais qu'il y a Melchior, Balthazar et Gaspard. Je ne me rappelle plus, etc. Il y avait un chinois, un noir et un blanc. Il y avait les trois continents. Ils représentaient les trois continents. Et qui régnait à l'époque à trois continents? Enfin, ce n'était pas un chinois, c'était un Tadjikistan. Mais c'est vrai que tu vois le visage rond de chinois en Afghanistan, en Tadjikistan. Tatar, on dit image de Tatar, le visage rond. Mais c'est qui régnait à l'époque dans les trois continents? C'est,
Et c'est, puisque tes propos étaient très intelligents, René, et c'était très intelligent, historique, rationnel, c'est pour ça qu'on va compléter ensemble, même si quelqu'un d'autre va participer. Tu sais, les rois mages, c'était les rois perses. Alors quand on dit mage, c'est Moran, c'est-à-dire c'est le pensée, la philosophie de Zarathustra. Les gens qui sont leaders de cette pensée, on dit Moran, et le mot magie est magique aussi, il vient de Mor, le roi mage. Et à l'époque aussi, comme tu viens de dire, il y avait une concurrence de deux pouvoirs, l'Amérique et la Russie d'aujourd'hui, soi-disant. Et ça existait, c'était la Rome, le pouvoir de la Rome qui prenait pays juifs, hébreux à l'époque, et ils colonisaient les juifs. Et il y avait les pays perses. Les pays perses, chaque pays, à l'époque, chaque province, soi-disant, selon la Bible, selon l'évangélique et selon le Torah, à l'époque, la Perse, il régnait dans 140 pays. Et 140 pays, chaque pays, il avait un roi. Et l'empire, roi de roi, c'était le grand patron, mais chaque d'autres pays, il avait un roi. C'est pour ça qu'il y a trois rois de royaume perse qui vont venir voir Marie en disant que voilà, ton fils, il va être sauveur de juifs, il faut que tu le prennes, voilà, on va te donner des biens, on le donne des choses que tu le sais, et pour qu'il quitte. Qu'ils se sauvent, etc., etc. Alors, après, je vais te laisser de continuer, puisque toi, ça se voit que tu es très intelligent, bien étudié cette affaire, puis surtout que tu as parlé de politique, c'est vrai, c'est politique avait une main dedans. Mais tu sais, concernant l'assassinat, enfin, on va dire l'assassinat crucifié juif, moi, peut-être je suis pas d'accord avec toi, mais je veux m'exprimer à la fin. On vous écoute, Romy. D'accord. Peut-être que quand je dis l'assassinat, puisque de toute façon, la Bible dit, il a fait tout conformément à ce qui était prédit. Donc, ça pardonne le fait que. Ça pardonne le fait que le Christ, une fois qu'il a fait sa passion, une fois qu'il est allé témoigner en faveur de la foi et de l'amour, la révélation de la foi et de l'amour, c'est vrai que ce qu'il attendait, effectivement, c'était, conformément à l'Écriture, la crucifixion. Mais ça c'est biblique, mais quand on sort du côté de la Bible et puis on regarde au niveau avec une vision plus sereine, on voit bien que les Romains étaient en train d'envahir la Palestine, la Judée, la Jordanie, tout Israël, etc. Enfin bref, quoi, je ne sais pas comment ça s'appelait, Bethléem et tout ça, c'était une province romaine et qui régnait selon la loi romaine, et avec des impôts, des recensements. C'est pour ça que le Christ est né. Il n'a pas trouvé de... parce qu'il fallait que Joseph et Marie aillent faire leur recensement, et etc. Donc, à ce moment-là, Marie, il fallait qu'elle aille accoucher. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps que les Romains étaient en place. Donc, il y avait le couvre-feu, il y avait tout le système administratif romain, etc. etc., etc. Mais, comme vous dites, on avait prédit les rois mages que vous m'avez parlé. C'est vrai que c'était des mages, pas sous forme magique, mais comme vous dites, au niveau conscience politique, ils régnaient du côté de l'Afghanistan et tout ça, la Perse, etc. Et puis ils étaient très, très instruits. Donc ils savaient lire au niveau de l'astrologie les signes du ciel. Donc, parce qu'ils ont vu l'étoile, une étoile qui les guidait, etc., jusqu'à la porte de Marie ou dans la mangeoire. Etc. Il a dit, cet enfant-là que vous venez de faire naître, il sera quelqu'un qui va guider l'humanité. Et ça, c'est le côté poésie de l'histoire biblique. Mais quand on regarde bien au niveau politique et au niveau historique concrètement, pour moi, il a existé, mais comme... Marie et Joseph, c'était des familles pratiquantes de la loi juive, ils allaient tout le temps à la synagogue, qui fait que le Christ
entendait, il a appris l'Ancien Testament et la Torah, etc., avec tous les Deutéronomes et l'Ancien Testament, il a appris tout ce qui concernait Dieu. Et c'est à partir de là, il avait un raisonnement et une intelligence hors pair qui fait qu'il s'est mis à s'intéresser de plus en plus par rapport à ses parents, qui étaient Marie-Joseph, qui allait tout le temps à la synagogue, qui fait lui-même, il savait lire, parce qu'il lisait la Torah, comme les trucs juifs, etc. Et quand la foi s'est animée en lui, ça a déclenché chez lui cette passion, je pense, et il a voulu y remédier. Quand il a choisi ses apôtres et ses disciples, est-ce que les gars, Pierre, Simon, Judas, etc., est-ce que, comme ils attendaient de la part du ciel, que Dieu leur envoie une armée d'anges pour terrasser les Romains, comme ça, pour être... Est-ce que, lorsqu'ils ont vu que Jésus leur a dit, venez, je veux rendre témoignage, etc., etc., eux, ils ont cru que le Christ allait former un truc militaire ou comme Barabbas, vous voyez, non, alors que le Christ, il a utilisé la sagesse, il a utilisé la philosophie, il a utilisé le bon sens pour éviter le sang, pour éviter comme certains organismes, parce que les Hébreux, ce sont en réalité des vaillants guerriers, hein, des variants guerriers, le seul truc qui les accuse aux Hébreux, c'est qu'ils n'ont pas de terre. Hein. Vous allez en Afrique noire, c'est appartient aux Noirs. Vous allez en Europe, l'Europe, ça appartient aux Blancs. Vous allez en Asie, l'Asie appartient à la peau jaune cuivrée, et la Mongolie, tout ça, ça appartient aux Asiatiques. Vous allez en Inde, la terre appartient aux Indiens. Il n'y a que des Indiens sur cette... vous voyez. Mais le peuple hébreu, ils n'en ont pas de terre, vous voyez. Donc, avant que Dieu se révèle à eux, ils avaient leur petite religion. Et leur dieu de guerre, et leur dieu de nativité, etc., leur dieu de guerre s'appelait Baal. Et ça fabriquait des vaillants guerriers qui savaient... Ça, on ne le dit pas, mais les Juifs... Voilà. Et puis, quand Dieu s'est révélé à eux, il a dit, bon, vous n'aurez pas d'autre dieu que moi, vous n'aurez pas ceci que moi, vous allez honorer, etc., etc., parce que j'ai un autre dessein pour vous. Et voilà, donc, autrement dit, tous les généraux, quand un juif il quitte la communauté, puis il part en Europe, etc., mais ça devient un général, ça devient un grand écrivain, ils deviennent des gens, des bijoutiers, des joailliers. Le Christ même, il s'est inspiré de la vallée, il est en admiration du fait que soyez au service des uns des autres. Mais ils faisaient quoi sous l'occupation romaine, les Hébreux? Mais ils étaient artisans, commerçants, constructeurs de maisons, servantes. C'était des métiers de service. Hein. À part quelques-uns qui menaient la révolution, comme Barabbas, etc., pour essayer de décrocher deux ou trois Romains au passage. Mais le Christ, il a dit, pour que vous ayez plus de chance, mieux vaut choisir mon chemin, et vous verrez. Et voilà, il a dit, bon, mais n'espérez plus rien, je suis l'envoyé. Hein. C'est pas la peine d'attendre autre chose. Je suis moi, le Père, c'est moi, voilà. Arrêtez d'espérer. Je suis l'envoyé, c'est moi l'envoyé. Donc il leur a donné, pour qu'ils arrêtent d'espérer, ou etc. Peut-être je ne suis pas... Excusez-moi, David Abassini. Peut-être que je simplifie un peu les choses. Peut-être que j'ai envie de dire une bêtise. Non, c'est très intéressant. Et tu es en train de raconter l'histoire simplement pour que tout le monde le comprenne. Mais ce dont je veux compléter, tu sais, à l'époque... Les pays perses avaient l'idéologie de Mitra, de Zarathustra, un des Zarathustra, c'est Mitra et Mitraïsme.
Alors Mitra, tu sais, et Mitraïsme, un des premières sciences qu'il avait, c'était l'astrologie. Il était astrologue. C'est pour ça qu'il pouvait voyer des choses, alors, puisqu'il était astrologue. Astrologie, à l'époque, était très importante. C'est pour ça qu'au lieu de dire astrologue, astrologie, on disait mort, magie, mage et magique. Est sorti d'ici, magique, après si les gens ne comprenaient pas ce que les astrologues persent selon l'époque Mitra et Mitraïsme et Zarathustra, ils pensaient, ils pratiquaient, ils disaient c'est des magiques, c'était resté le mot magique sorti de cette science, premièrement. Deuxièmement, ce que tu viens de dire, c'est vrai, le peuple juif était colonisé, le pays Canaan, à l'époque on ne disait pas Israël, on disait Canaan, le pays Canaan, les descendants de Joseph et tout ça, à l'époque on entendait, on disait pays de Canaan, c'était colonisé par les Romains, et les Romains, comme aujourd'hui, histoire de colonisation moderne ou ancienne, vous le connaissez, ça aussi c'était la même chose, les Romains, ils venaient de l'autre côté, et ils régnaient en Palestine d'aujourd'hui, en Israël d'aujourd'hui, en Jordanie, en Liban, partout, et tout ça, et de l'autre côté, c'était la Perse, c'était deux pouvoirs, deux puissances qui étaient en guerre, en concurrence, alors chacun, il essayait de prendre une partie de territoire de l'ennemi. C'est pour ça les astrologues perses, les rois mages, puisqu'ils savaient que les juifs, ils attendaient des sauveurs, il y a idée de sauveur, Moshe, Moïse, qui a est entré dans l'idéologie musulmane, on dit Messie, Mehdi, et il va venir, cette idéologie, puisqu'il existait, cet espoir que quelqu'un va venir pour nous sauver, puisque cette jalousie envers des juifs, ça existait partout dans l'histoire. Ces gens-là, ils étaient intelligents, travailleurs, comme tu viens de dire. Est-ce toujours la jalousie aussi existait? Et pour la plupart des fois, ils devenaient des esclaves, ils avaient des problèmes et tout ça. À l'époque aussi, ils attendaient l'arrivée de sauveurs pour sauver les juifs des Romains. Alors, il y a Jean, son frère, Jean-Baptiste, bien sûr, il n'a pas le courage de Jésus ni Barabbas pour faire le combat idéologique ou l'autre qu'il fait combat militaire. Il est en train de baptiser seulement pour préparer. C'est pour ça qu'il dit, je suis pas le Messie, mais le Messie va venir. Et quand il vient, le colon va prendre place sur le truc de Jésus. Alors, tout ce que tu as dit, c'est vrai, c'est rationnel, cette histoire rationnelle qu'on peut dire, voilà, le peuple juif, il attend un sauveur. Les Perses, ils vont aider cette pensée, cette idée de sauveur pour créer la révolte parmi le peuple juif contre les Romains. Et c'est presque gagné, mais malheureusement, il est crucifié, Jésus, voilà. Et après, l'histoire, ça continue, comme tu le sais. Oui, effectivement, parce que justement, vous parlez de David Abbassi, vous parlez de Jean le Baptiste, qui était un cousin que la sœur, la cousine d'Élisabeth, la femme stérile, c'était une cousine de Marie. Donc, ils sont nés à peu près en même temps, et il se trouve que le Christ s'est rapproché de lui parce que c'était un cousin, Jean le Baptiste, qui est un cousin du Christ. Mais tu sais qu'on ne se connaissait pas tout de suite, puisque une chose qu'il ne faut pas oublier, pendant une vingtaine d'années, 18 à 20 ans, Jésus n'était pas sur place, il n'était pas dans son pays. Il quittait le pays au moment que le roi mage vient le donner, le financer, fait Marie et on lui donne une bourse pour étudier en Égypte, pour étudier en Cachemire, en Iran. Et pendant des années, et Jésus, il est loin de son pays. Mais quand il retourne, c'est en retour, après des années, qu'il va rencontrer Jean-Baptiste et c'est l'histoire que tu le sais. C'est-à-dire, pendant des années, environ entre 15 et 20 ans, on ne sait pas à quelle date, mais depuis qu'il était petit, il va quitter avec Marie et Joseph le Canaan, le Palestine, Israël d'aujourd'hui. Il va quitter vers l'Égypte, après vers la Perse, vers le Cachemire, Inde. Pendant des années,
moi, je pense que pendant toutes ces années-là, il va rencontrer les grandes capitales du monde et il va apprendre beaucoup de choses. Comme tu viens de dire, il était éduqué dans le Knesset du Grand Temple de Jérusalem quand il était petit. Mais quand il sort aussi, il va aller chercher la vérité, apprendre des choses. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est aussi avis de David Abbasi. Et il va apprendre la médecine, la pharmacie, il va apprendre beaucoup de sciences. C'est pour ça que quand il roture, le moment que Jean-Baptiste il va rencontrer Jésus, c'est après des années. C'est-à-dire cette rencontre, il est après des années, et Jésus, maintenant, il a une trentaine d'années, il est, voilà, et c'est l'histoire, ça continue. Voilà, je vous écoute. Voilà, oui, c'est vrai que le Jésus-Christ est baptisé vers peut-être 25 ans, ou 25, ou 29, 30 ans, il s'est baptisé, mais il me semble que le Christ est traîné un petit peu du côté d'une sorte de comment c'est un peuple hébreu, mais qui se sont écartés. Ils vivaient comme si c'était dans un monastère. Je ne sais pas s'ils s'appellent des Sadducéens. Ce sont c'est un groupe de religieux juifs, c'est une filière de groupe de religieux juifs, et qui avaient certains principes à pratiquer la Torah. Alors Jésus leur rendait visite pour le parler avec eux. Jésus voyait qu'ils étaient un petit peu proches de la manière de pratiquer les rituels de la Torah pour observer la volonté de Dieu. Et je pense que quand le Christ disait « Voilà, si vous avez quelque chose à demander à notre Père, au Père éternel, voici la prière que vous devrez dire. » Mais il a dû prendre ça du côté des... Comment ça s'appelle? C'est un groupe de prières. Ce groupe de prières juifs qui se sont un petit peu détachés des trucs normaux, et je pense qu'il a un petit peu traîné un petit peu dans les environs, quoi. Il n'a pas été loin. Et c'est vrai qu'il y a des parties qu'on ne connaît pas très bien, mais je me demande à quel moment que le Christ s'est rendu... Il a pris pleine possession de sa divinité. Parce que ce qui lui a fait prendre conscience de sa divinité étant petit, étant jeune, quand il avait peut-être 7, 8, 9 ans, 10 ans, c'est quand il commençait à parler à la sortie des synagogues avec les vieux qui restaient dehors, là, etc. Et il allait leur poser des questions, le Christ allait leur poser des questions, et les vieux voyaient qu'il avait un raisonnement étonnant. Et pour un enfant de 9 ans, il trouvait qu'il avait un raisonnement il trouvait ça drôle. Et puis les vieux ont commencé à dire, mais vous savez, le petit gosse de Marie et de Joseph, là, il nous a dit des choses étonnantes pour un gosse, et etc. Et petit à petit, le Christ, il aimait à parler du Père, quoi. Et un jour, il a dit, écoute, maman, peut-être vers 15 ans, il faut que j'aille m'occuper des affaires de mon père. Et c'est là que Marie s'est rendu compte, c'est ce que la Bible dit, c'est là que Marie s'est rendu compte de ce que l'ange Gabriel lui avait dit, que c'était pas son enfant, mais qu'il venait, parce qu'entre-temps, ils ont oublié ça, hein. Entre-temps, la venue de l'ange Gabriel, etc. Joseph n'était pas content quand l'ange Gabriel... Dieu a choisi Marie comme porteuse d'enfant, etc., comme femme, pour porter l'enfant qui viendra vous sauver, etc. Bon, ben, le gars, il a un petit peu mal pris ça, parce qu'il la laisse marier avec. Enfin, bref. Et quand Jésus lui a dit à Marie, parce que j'excuse-moi de sortir d'étape en étape, quand Jésus a dit à Marie, à sa maman, « Maman, bon, il faut que j'aille faire les affaires de mon père », il avait 12, 13, 14, 15 ans, hein. Et puis c'est là qu'elle s'est rappelée des paroles que l'ange Gabriel lui avait dit. Oui, René, restez avec nous. Il vous reste encore quelques minutes avant d'être coupé. Mais nous avons Max, on va prendre Max. Bonjour Max. Oui Max. Oui, bonjour et bonsoir. Bonsoir Max. Oui, excusez-moi monsieur, je vous parle un peu dur. Mais la personne qui a appelé là est monsieur... Arrêtez votre catéchisme. Arrêtez. Pardon? Il y a un sujet.
il y a un sujet. Le sujet. Qu'est-ce que tu poses la question là, Ronnie? Il est là, il peut te répondre. Vite, Ronnie. Non, non, attends, monsieur Bassi, j'ai énormément de respect pour vous. J'ai énormément de respect pour vous. Il y a des gens qui disent ça gratuitement. Moi, je le dis. Le sujet, c'est que il y a une bande de voyous, il y a une bande de chiens qui tuent des gens au nom d'une idéologie fasciste. Ah oui, c'est oui, le sujet de ce soir. Oui, 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 aucun rapport avec les propos de René. Je pensais que tu voulais répondre à René. Alors, oui, on vous écoute, Max. Attends, allez. Attends, je vais te dire quelque chose. Dis-moi. René, tu nous gonfles ton catéchisme. Va vendre ça aux gens qui sont... Non. Couillons. Max, écoute. C'est moi qui j'ai proposé de parler sous Jésus. Il vient de s'exprimer. Maintenant, en gardant le respect pour tout le monde, toi aussi, tu peux t'exprimer, s'il te plaît, avec des mots très gentils et des mots d'amitié et gentillesse. On vous écoute, Max. Le mot impulsivité n'est pas une insulte. Attention. Je n'ai pas dit qu'il est bête, j'ai dit que ce sont des propos qui sont imbéciles. Nous ne savons rien du tout. Nous sommes sur une planète, nous sommes dans une galaxie, il y a dans cette galaxie 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible. Et pour le moment, dans cette portion de l'univers. Or, il y a 5 semaines, il y a eu un symposium à Lausanne. Les grands astronomes du monde sont en panne. Max, s'il te plaît, reste avec moi, puisqu'il n'a que 30 secondes, Ronnie, pour que je le dise au revoir. S'il veut revenir, il peut revenir, mais s'il a un dernier mot à dire, Ronnie. Oui, excusez-moi, David Abassé. Ben, écoute, moi, je comprends très bien Max qui voulait me recadrer dans le sujet d'aujourd'hui. Qu'il y a des... Ah, ça a coupé, Ronnie. Je te remercie, Ronnie, il est parti. Vous pouvez revenir, enfin, des autres aussi, ils ont la parole. Je vais remercier Ronnie de son intervention, puisque c'est vrai que la journée de Jésus aussi, on a parlé de ça. Mais maintenant, on va continuer à écouter notre ami Max. Max, vous avez la parole. Oui, M. Bassi, je ne veux pas dire, mais ces gens-là ne nous apportent rien. Intellectuellement, ce monsieur a fait du prosélytisme, puisque soi-disant c'est lui qui a la vérité. Hein. Il nous parle de la Vierge Marie. Non, laisse tomber. Toi, de quoi tu veux parler, cher Max? Dis-moi. Quel est le sujet qui t'intéresse? Dis-moi. Moi, j'aurais aimé, M. Bassi, oui, que tu reviennes au sujet. Voilà. Au sujet fondamental. C'est que ces gens qu'on appelle terroristes, ce ne sont même pas des terroristes, ce sont des malades mentaux, des imbéciles, qui prennent une drogue particulière dont j'ai oublié le nom, le ministre américain de la Défense a donné le nom de cette drogue. Le gars prend ça, puisqu'on lui a dit que quand il va mourir, il aura 1000 vierges et que les rivières vont couler du lait et du miel. Ce sont des gens qui vivent dans le passé. Moi, je ne crois pas en la religion. La religion est une forme d'imbécilité qui enchaîne l'homme. La religion est une forme d'imbécilité que l'on trouve chez les peuples primitifs qui vivent dans l'univers. Ça ne nous apporte rien du tout. Moi, quand j'ai mal aux dents, je vais chez un dentiste, il me dit « oui, c'est cette dent-là ». La religion n'a jamais rien fait pour le peuple. La religion a toujours asservi le peuple. Parce que si la religion était une chose positive, religion égale reliée, on se serait mis d'accord au moins sur une direction. Le jour où je vais croire en la religion, c'est quand tous les chefs religieux vont se réunir. Ils vont dire, bon, il y a des choses que nous n'avons pas compris. On doit faire le point. Bon, ouvre ton livre à la première page, j'ouvre mon livre à la première page. Voyons si au moins... à la première page, dans ce que nous disons,
il y a une reliance, il y a un point commun, il y a un échange, il y a un cercle. Ce jour-là, je vais croire qu'il y a un effort. Je dis ça aux gens tous les jours, la religion est une imbécilité que l'on trouve chez les primitifs qui peuplent l'univers. Ça ne nous amène rien du tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Le des meilleurs cadeaux que j'ai fait à mes enfants, je ne leur ai jamais parlé de Dieu. Un jour, et mon fils devait avoir 10 ans, il m'a dit, papa, c'est quoi Dieu? Je lui ai dit, est-ce que tu penses que moi, ton père, je peux te donner une réponse? Les hommes se sont cassés les dents depuis des siècles et des siècles et des milliards d'années pour pouvoir expliquer quelque chose. Nous ne savons rien. Alors quand je vois le monsieur qui était juste avant, il vient faire son catéchisme, mais il ne remet pas en question que tout ce qu'on lui dit là, c'est ce que l'Européen lui a mis dans sa tête. Je vois un mec qui me parle des religions africaines, ancestrales. Je vois un mec qui me parle des religions amérindiennes, des religions chinoises. Et tu comprends? Ça m'intéresse. Mais quand celui-là vient avec son Coran, sa Bible et tout ça, je vais te dire quelque chose. J'ai discuté avec un musulman pur et dur. Il me dit, de toutes les manières, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit est dans le Coran. J'ai dit, mais je lui ai dit, ah bon? Et tout ce qu'il faut savoir et tout ce qui est écrit, c'est dans le Coran. Et je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, écoute-moi, et pourquoi Dieu n'a pas mis les plans de la bombe atomique dans le Coran pour vous? Parce qu'il sait très bien que quand vous avez la fée, elle va vous péter à la gueule. Parce qu'il faut vraiment être con pour pouvoir tourner habillé en blanc autour d'une roche. Hein? Franchement, il faut vraiment être débile et imbécile. On ne sait pas ce qu'il y a sur la roche. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et toi-même, M. Abassi, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai une roche, quoi. On ne sait pas. Et peut-être que c'est une rigolade. Ça ne veut strictement rien dire pour moi. Donc, je dis aux gens, je préfère qu'on parle du problème de terrorisme qui est vraiment un problème majeur. Et les causes de ce terrorisme, il y a des choses que tu ne dis pas, M. Abassi, et moi je suis un petit peu déçu. Si l'Occident n'était pas allé attaquer l'Iran, l'Irak, la Libye, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Est-ce que M. Kadhafi envahit le nord de la France? Est-ce que M. Kadhafi a bombardé Nice ou bien Cannes? Pourquoi M. Sarkozy, avec l'aide de BHL, ces gens-là sont allés écraser un pays? Je suis désolé, M. Abassi. Les musulmans dans le pays ne causaient pas de problème et dans les années 80. Le seul problème qu'il y avait, et ça tu n'en parles pas, et je suis désolé que tu n'en parles pas, c'est le problème algérien avec les GIA. Attention, quand le fils a gagné les élections, la France a dit non. Pourquoi? Pour une question de pétrole. Donc j'aurais aimé que les gens qui appellent et qui nous racontent des salades sur la Vierge Marie, sur les Juifs qui étaient là avant, qui n'étaient pas là avant, pour moi, les juifs, ça n'existe pas. Hein? Parce que ces gens-là ont été implantés dans un pays parce qu'il y a eu un Anglais qui a décidé que oui, on va vous donner cette parcelle-là. Eh bien moi, pour terminer, je vais donner une solution hein, pour Israël et la Palestine. Les Américains ont de la place sur leur territoire, dans le Nevada et l'Arizona. Il y a des millions de kilomètres carrés qui sont vides. On donne un État à Israël et qu'Israël quitte la Palestine. Voilà une solution. Tout le monde est content. Ils seront sur le territoire américain. Ils auront tout l'argent nécessaire. Et les pauvres Palestiniens qu'on aura laissés dans la merde, même s'ils vont crever, mais ils sont chez eux. Moi, j'ai dit une chose. Tant qu'Israël sera là, ils ne seront jamais en sécurité jusqu'à la fin des temps. C'est leur mission. C'est leur punition.
n'oublie pas que ce sont les Juifs qui ont vendu Jésus pour qu'ils le payent. Ils le paieront jusqu'à la fin des temps. Allô, j'ai terminé. Merci et au revoir. C'était Max. Déjà, je veux commencer par la dernière phrase, puisque tout à l'heure, je voulais répondre ça aussi à notre ami René. Mais notre ami Max, il vient de terminer ses paroles par rapport de l'assassinat de notre ami bien-aimé Jésus. Écoutez bien. Ça aussi, c'est une polémique qui existe dans l'histoire pour détourner la vérité sur Jésus. Écoutez, l'assassin, moi je le prends comme ça, voilà. On va rationnellement étudier l'affaire. L'assassin, c'est celui qui exécute, qui tue l'individu. Et toujours, les assassins, ils trouvent des alibis pour éloigner leur crime et faire oublier leur crime et laver les mains. Ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On nous a fait énormément de films et tout ça, comme quoi Jésus, c'est le gouvernant romain. Il vient demander le peuple qui est en bas, allez choisir entre Barabbas ou entre Jésus. C'est-à-dire, je vais vous tuer quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas de gladiateur, histoire de gladiateur. Mais moi, je vais tuer quelqu'un, un des deux. Laquelle, vous voulez qu'il reste vivant, laquelle que vous voulez que je le tue. Alors, l'assassin, le criminel ici, c'est le gouvernant romain. Les peuples qui sont terrorisés toujours par les pouvoirs, qui sont en bas, ça compte pas. Alors, on ne sait pas, même pas si c'est vrai ou non, mais le pouvoir, nous le savons, qui était à la main des Romains, et c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Après, c'est les Juifs qui l'ont sauvé. C'est-à-dire, c'est les Juifs qui sauvent Jésus en disant, écoutez, il y a assez du sang qui est coulé, et il est déjà mort, vous pouvez le faire descendre. C'est la version laïque de David. Ce n'est pas une version catéchiste d'église. Voilà. On va le faire descendre, on le met dans le tombeau, et le soir on va prendre Jésus de tombeau. Après quelques jours, pendant 50 jours, voilà, de fête de Pâques jusqu'à aujourd'hui, on va soigner Jésus. Une fois qu'il est soigné, mais il a perdu beaucoup du sang et tout ça, il va apparaître devant le peuple, il va parler, etc. Après, il va partir de l'histoire. Je ne veux pas parler de Da Vinci Code, mais n'oubliez pas avant que Da Vinci Code sera écrit, avant Da Vinci Code, en 1987, j'ai écrit un bouquin sur l'histoire, histoire des histoires. Et je parle sur cette histoire, voilà. Et l'assassin ici, le criminel, c'était les Romains. C'était les Romains, puisque c'est eux qui avaient le pouvoir. Après les Romains, ils voulaient laver les mains. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont mis? Voilà, ils ont mis comme quoi, ah oui, c'est les prêtres. Même on vous a fait des films et tout ça. Même si les prêtres, ils vous demandent de tuer quelqu'un, c'est vous qui voulez tuer. L'assassin, c'est vous. Il ne faut pas l'oublier. Partout, toujours, on dit, ah, c'est mon cousin qui a demandé de me tuer, mais c'est le pouvoir qui a tué. Et c'est le pouvoir politique de l'époque qui régnait dans le pays Palestine ou Israël ou Canaan, pays de Canaan de l'époque. C'est les Romains, et le gouvernant des Romains qui va assassiner, crucifier. Regardez dans tous les films que vous avez pu voir, avec quelle sauvagerie les soldats. Ils vont ramener Jésus vers son rendez-vous pour l'exterminer, cet individu. Après, même un goût de l'eau, on ne va pas le donner. De l'eau. C'est pour ça, soyez plus sages à ce sujet-là. Alors, il y a d'autres choses aussi au sujet de Palestine, mon cher ami Max, qui te vient de dire, aux États-Unis, au Nevada, ou je ne sais pas où, on donne...
un morceau de terre aux Israéliens. Ça, c'est des histoires aussi un peu naïves, mon cher ami. C'est très naïf, cette histoire. Tu sais, cette histoire, ça veut dire les Arabes qui, il y a déjà 1400 ans, ils ont sorti d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et ils ont conquéré les pays jusqu'au nord d'Afrique, alors qu'ils sortent aussi d'Algérie, de Maroc et de tous les pays musulmans, les Arabes, ils sortent. Parce que tu sais, ils ont entré, arabisé les gens, changé leur langue, changé leur religion et tout ça. Ça, c'est concernant l'arabe et musulman. C'est-à-dire, c'est la même chose, la même histoire que tu es en train de raconter pour l'Israël, on peut le raconter pour les autres, qui sont venus, qu'ils ont quitté, faire quitter. C'est-à-dire, tous les autres habitants de tous ces pays-là, ils étaient obligés de quitter leur pays et laisser la main à la main de, le pays à la main des musulmans. Alors, ça aussi, c'est un problème. Et deuxièmement, par exemple, actuellement, il y a beaucoup d'émigrés qui sont partout, en Amérique. En Amérique, pour la plupart des gens, c'est des émigrés, parce que les Indiens n'existent plus, c'est très très peu. En Europe, il y a des millions d'émigrés, comme moi-même. Alors, tu dis que nous aussi, alors, on doit sortir d'ici, on va... Non, on est ici. Tu es là-bas, à Paris ou à Reims, je ne sais pas où, tu es chez toi. Tu es chez toi, parce que ça fait des années que tu vis, tu as des enfants, tu as construit la maison, tu as construit la pays, ton pays et tout ça. Israël aussi, c'est comme ça. C'est un pays qui était reconnu plus de 60 ans, il y a déjà plus de 60 ans reconnu par les Nations Unies, qu'ils ont construit dans un désert qui existait, une cité, un pays, avec tout le progrès. Laissez tomber un peu cette jalousie-là, s'il vous plaît, puisque cette histoire-là aussi s'est terminée. On n'en parle plus. Les Arabes musulmans, qui étaient l'ennemi numéro un des Israéliens et des Juifs, ils ont signé, en serrant la main, la paix avec eux. Vous, pourquoi après des années ici, vous allez vous mêler aux choses qui ne vous intéressent pas, que ça ne vous regarde pas? Le Qatar, le patron de Qatar, le père du prince actuel, il a serré la main des dirigeants d'Israël, serré la main. Et même sa femme, Madame Zohra Saderi, que j'ai parlé au début de notre émission, maman du prince Tamim, avait de bonnes relations, et elle a toujours de bonnes relations avec Israël. Ce sont les pays arabes, musulmans, très fanatiques, et même les femmes là-bas n'ont pas le droit de faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Oh, ils ont accepté l'État d'Israël. Ça, c'est fini. L'acceptation de l'État d'Israël, c'est fini. On n'en parle plus. Surtout sur cette antenne, c'est terminé. On n'en parle plus. Et ce que vous racontez, qu'on va aller... patati patata, faire ça va considérer tout le monde qu'ils ont pour nous dans n'importe quel pays. Surtout les gens qui sont venus par la force. Par la force, mes chers amis. Alors vous avez la parole, n'oubliez pas, en composant le 08 92 23 95, vous avez la parole et on va prendre Kevin. Kevin, bonsoir. Bonsoir Kevin. Allô. Oui Kevin, on vous écoute. Ah, Ronnie, ça va, Ronnie, reste avec nous, puisqu'avant vous, c'est Kevin. Kevin, vous avez la parole. Kevin, tu es parti. Kevin, tu peux venir. Et tu sais, Ronnie, Kevin était avant toi. Je me suis trompé, il est parti. Et Kevin, dès qu'il vient, on va te donner la parole. Ronnie, on vous écoute. Bonsoir, David. Et puis, je ne pouvais pas rester comme ça devant les propos de Max. Parce que bon, apparemment, ça devrait... René, laisse tomber. Max, je l'ai répondu. Je crois que tu nous as écouté. Tu nous as écouté. Ses propos concernant toi et tes propos n'étaient pas bien. Moi-même, je l'ai répondu. Laisse tomber. C'est pas la peine de répondre à Max. Si tu as d'autres choses, on va vous écouter. Allez-y. Le peuple juif, ils avaient quitté la Jordanie, enfin Tel Aviv, enfin ils avaient quitté à une époque bien avant, ils avaient quitté leur terre, ils sont montés, vous savez où est-ce qu'ils sont montés? Ils sont montés en Pologne, ils sont montés en Ukraine, en Lettonie, ils sont montés dans le nord de l'Europe.
Après, ils sont partis dans la guerre de 39, parce qu'on leur a fait la misère encore, les malheureux, à l'époque de Hitler, parce qu'il fallait trouver des boucs émissaires. On leur a tout supprimé. Et il y a une bonne partie qui sont partis en Amérique. Et il y a une autre partie qui sont partis en Amérique du Sud, en Argentine. Donc, ils sont partis sur tout le globe, en fait. Mais à nouveau, on leur a encore fait la guerre, je ne sais pas comment, ou etc., ça date pas de longtemps, qui fait qu'ils retournent tous, ils ne savent pas où aller, les malheureux, ils n'ont pas de terre. Donc, ils ne savent pas où aller, donc ils retournent sur des points d'attache d'où ils étaient partis. Leurs grands-parents étaient partis, c'est-à-dire du côté de Tel Aviv, Palestine, etc. Donc, ils reviennent parce qu'ils ne savent pas où aller. Les malheureux, ils ne savent pas où aller. Donc, si nous, les nations, nous étions rassemblés dans la fraternité, dans la paix, etc., tout le monde aurait trouvé des horizons de paix, tout le monde aurait trouvé parce que l'humanité, David Abbassi, à Montpellier, il y a un truc que je parlais cet après-midi avec mes collègues au travail, quand on parle de la science, Léonard de Vinci, etc., etc., bon, Léonard de Vinci, qu'est-ce qui l'a rendu ingénieux? C'est parce qu'il avait des fascicules de quelqu'un du côté de la Perse, justement, qui était ingénieux, qui était très ingénieux, qui a inventé des chars d'assaut, mais avec l'ingénierie de leur époque, hein. Et aussi, cette personne-là qui avait inventé, qui avait dessiné des croquis de chars d'assaut, des trucs pour voler, c'était le rêve de l'humanité, savoir voler dans les airs. Il y avait un certain musulman, etc., qui était un savant, un ingénieur musulman, qui s'était projeté d'un haut de minaret et qui a volé pendant combien de minutes par rapport à un engin qu'il a fabriqué, et lui-même, il a pris ça sur les Chinois. Donc le monde apprend à s'échanger par les voyages, par la culture, etc. Le monde apprend des choses entre eux pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur ingénierie, pour améliorer leurs conditions, pour améliorer leurs forces militaires. Le partage, c'est le partage des connaissances. L'un s'inspire de l'autre. Le système informatique a pour origine la Chine, et la Chine qui ont inventé le système de boulier, c'est, vous savez, les trucs pour pouvoir compter pendant le commerce. Mais ce système-là vient de l'Inde. Donc, vous voyez comment le monde s'apprend et s'élève avec leur ingénieur, etc. Comme vous dites, M. Abbassi, du côté de la Perse, ils étaient très forts en astrologie. Et c'est grâce à ça, et c'est grâce aux Perses, c'est du côté de l'Iran, d'Irak, grâce aux Perses, que Jules César a pu faire un calendrier, un almanach, qui est l'almanach d'aujourd'hui, pour comprendre que la Terre, en réalité, tourne autour du Soleil pendant 365 jours et trois quarts et un quart. Vous voyez? Donc les Perses étaient balèzes, hein, ce que vous dites, effectivement ce que vous avez dit, monsieur Abbassi. Donc, si on peut aller, c'est très intéressant, c'est très riche. Sur l'hygiène, les Turcs, les Perses, les Turcs, ils ont inventé les bains turcs. Il y a plein de trucs pour l'hygiène corporelle que les Romains se sont inspirés. Et c'est très intéressant, c'est magnifique, c'est vraiment... avant que ça devienne musulman, et après quand c'est devenu musulman, ils ont intégré le bain turc, etc., dans le Coran, etc., qui fait que les gens... c'est magnifique l'histoire. Ils ont apporté à l'Europe a apporté un petit peu à l'Asie a contribué, et au fil des siècles, la Renaissance vénitienne à Venise, à l'Italie, ils se sont inspirés de l'Inde, ils se sont inspirés de la France, Henri IV, tout ça, ils sont descendus à Florence, la ville de Florence en Italie, et c'est de là que les rois français se sont inspirés des châteaux de Chambord,
les châteaux de... Oh là là, là, là c'est magnifique. C'est quand on fait l'histoire dans sa plus pure réalité, mais sans rêver, sans être bisounours, on trouve des ingénieries, des peintures, des fresques qui ont été copiées en Orient, en Perse, en Iran, quoi, en Irak, et tout ça, c'est magnifique. Nos amis hébreux, c'était des artisans, des joailliers, des tapissiers, des bottiers, des chapeliers. Ils ont fait le médiéval, nos hébreux. C'est, malheureusement, avec cette histoire de... c'est vrai, mais le Christ se voulait rassembleur, rassembler l'humanité dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le partage des connaissances, dans le... Voilà, je suis un petit peu angélique, excuse-moi, mais c'est vrai, c'est la vérité, mais bon, il y en a qui ont mal compris, il y a des rois qui ont mal compris, qui ont été faire la guerre, c'est vrai, aux musulmans, il y a Attila, quand il progressait, qui vient de l'Asie, c'était un roi mongol, Attila, pour traverser les Alpes, etc., parce que c'était la conquête humaine. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça, c'est la conquête humaine, c'est tout. Mais c'est intéressant, le patrimoine humain historique, c'est beau. Hein. Donc je pense que le peuple juif a amené au monde beaucoup par leur service. C'est des sacrés artisans. Hein. Et le peuple chinois a amené beaucoup, le peuple perse a amené beaucoup. L'Occident a modernisé sous Léonard de Vinci, a modernisé beaucoup de trucs, les canons, les voiliers, il a amené beaucoup de croquis pour moderniser la mécanisation. Et voilà, et malheureusement, quand on traverse l'histoire du continent noir, ben c'est vrai que bon, il faut aller déceler l'élément qui a déclenché la traite négrière, la traite de l'esclavage. Il faut je sais pas, c'est l'histoire de l'humanité. Dieu jugera, hein, c'est pas moi, je peux pas juger. Dieu jugera, ça me fait mal, hein, mais Dieu jugera et jugera ceux qui ont commis des atrocités, l'asservissement de l'homme par l'homme, voilà, Dieu jugera, mais c'est immense, que moi je ne peux pas juger. Mais c'est vrai que je ne peux pas ne pas constater qu'à travers les manuels de livres d'histoire, qu'une période noire, une période sombre et malheureuse et triste du peuple noir, voilà, mais autrement dit, quand on monte vers l'Orient, mais c'est pareil, hein. Alors que le Christ se voulait rassembleur. Soyez au service les uns des autres, il se voulait rassembleur. Nous sommes des rachetés, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des juifs modernes, nous les chrétiens. Parce que nous sommes judéo-chrétiens. Donc il y en a qui n'ont pas compris la finesse de cette la judéo-chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes des juifs modernes. Mais nous sommes des juifs. Donc nous. Voilà, nous sommes par rapport au Christ. Ah, le juif moderne, qu'est-ce que ça vous dit? Juif, c'est juif, il n'y a pas de modèle. Mais on peut dire intégré, c'est pas intégré. Voilà. Merci de ton intervention. Mais une question encore avant de prendre Bachir et Max. Une question rapide. Pourquoi les juifs, ils quittaient leur pays, Canaan, soi-disant Israël et tout ça? Toi, dis qu'ils ont quitté. Pourquoi ils quittaient? C'est vrai que là, la Bible nous centre le fait que par rapport au Christ, la Bible nous centre la présence des Juifs en Palestine, enfin, à l'époque qui s'appelle Cana, etc. Mais au fil du temps, lorsque le Christ, après être redescendu, après sa mort, la résurrection, etc., il a envoyé ses apôtres
dans les 12 directions de la Terre. Donc il y a une partie, il y a Saint Thomas. Mais ça, ce n'était pas, c'était une partie des Juifs. Mais le peuple juif qui vivait en masse à l'époque, parce qu'il y avait le roi David, Salomon et tout ça, dans cet endroit-là, aujourd'hui c'est nommé Israël, Palestine, Gaza, Jordanie et tout ça, pourquoi ils ont quitté? Surtout, ils ont quitté ça, voilà ça aussi, je vais vous informer. Ils ont quitté après l'arrivée de notre religion, quand autre religion est revenue à 500 ans, 600 ans après Jésus, bien sûr. Et cette religion, quand il est venu. Après, oh, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. On attaquait leur village. Ils étaient obligés de quitter. De temps en temps, ils ont parti, ils restaient, ils se convertissaient à une nouvelle religion. Mais encore, ils avaient des problèmes. Ils se sont quittés. Alors, après, première et deuxième guerre mondiale, ils ont commencé à revenir là-bas, petit à petit, une partie qu'ils restaient, ils ont acheté des terres, etc. Voilà. C'est-à-dire, quand ils quittaient leur patrie, c'est comme ils quittaient Algérie, Maroc, et l'Irak. Imaginez-vous combien d'Arméniens, ils étaient obligés de quitter leur patrie, et combien de Juifs aussi, ils étaient obligés de quitter leur pays, que c'était Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Irak, ils étaient obligés de quitter, parce que sinon on aurait les tués, mon cher ami. Alors, oui. Je crois que Ronny, tu es là, c'est Bachir. Bachir ? Oui. Bonjour. Ronny, tu as dernièrement à dire, tu es là ? Voilà, je pense que je suis revenu pour compléter ma réflexion. Vas-y, est-ce que tu l'as complété ? D'accord. Et bonsoir et à bientôt. Merci, au revoir. Bachir, bonjour. Alors, oui, on est aussi avec nous. Max. Bachir, on vous écoute. Oui, alors effectivement, ce problème de séparation vis-à-vis des religions s'est fait, c'est-à-dire que ces conflits sont dus au fait que ces trois religions ne se sentent pas reliées véritablement. Il y a quand même la religion juive et chrétienne qui ont une liaison, puisque c'était Jésus était juif et donc a annoncé la religion chrétienne. Par contre, il y a eu une séparativité historique vis-à-vis de la religion musulmane. Bien qu'il est prescrit dans le Coran que la reconnaissance de Jésus, Marie. Bon, par contre, bon, il y a une différence après par rapport à Jésus qui est dit qu'il ne reconnaît pas la Trinité. Bon, quand on est pieux, on fait abstraction de ces petites différences. Mais c'est surtout le fait que, en tant que religion, le fait de nommer, de donner un nom, on a déjà créé une séparation. Et parce que de croire en Dieu, il faut le sentir en tant qu'être, dans un être intérieur, de se relier et d'être relié avec tous les êtres. Humain, si on met une étiquette sur ma façon de mon style de vie de croire en Dieu, à partir du moment où c'est le même Dieu, je ne dois pas voir une séparation avec un autre qui a un autre style de vie de pratiquer la religion pour être en reliance avec Dieu. Et il n'y a pas cette sensation de se sentir relié. Bon, il n'y a que les grands imams, prêtres qui font cet effort-là, mais au niveau des populations, c'est au niveau des populations qu'il n'y a pas cette éducation
de véritablement sentir cette religion. Et justement, on parlait avant de dire qu'est-ce que l'amour? Ben, l'amour, c'est quand on se sent relié avec les autres. Et s'il n'y a pas cette liaison de se sentir relié avec les autres, on perd, on est dans des formes négatives de séparation, de négativité et autres. Et ensuite, bon, on voit l'autre comme un ennemi et non plus comme un ami. Alors, c'est ce que je voulais dire. Oui, Bachir. Merci, je te remercie voilà. beaucoup, mon cher Bachir. Bonne soirée. Voilà, c'était Bachir sur 95.2 FM et vous écoutez votre radio, Max. Bonjour, Max. Allô, Max. Il est parti, Max. Ok, vous avez la parole. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Mes chers amis, n'oubliez pas que tous les lundis dès 23h, David Abbassi est avec vous et chaque dernier samedi également dès 23h jusqu'à 1h du matin. J'espère que, avec le temps qui fait beau actuellement, vous allez bien profiter, mes chers amis. Et surtout, essayons de penser et réfléchir pour la paix. Et être positif. Le problème, je sais, c'est trop. Il y a énormément de problèmes partout. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est les élections. 11 juin. Je ne sais pas, peu de temps qui reste, si vous voulez parler au sujet des élections de la semaine prochaine, oui ou non aussi. Vous avez la parole, mes chers amis, c'est votre tour à parler. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, juste au départ de notre émission ce soir, on a parlé au sujet de Qatar. Et maman du prince de Qatar, cette femme est une princesse. Vraiment. Vraiment, c'est une princesse. Puisque depuis une quarantaine d'années, c'est elle qui gère le Qatar. Et elle est comme Esther. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Esther dans le monde, oui ou non, dans la Bible aussi, il y en a. Esther de notre époque, c'est Madame Zohré Sadri, on dit Mouza. C'est Yedat Mouza, après Bint Nasser, en arabe on dit, mais son vrai nom, c'est Zohré Sadri, elle vient de ville de Shiraz, ville de Persepolis, c'est-à-dire Shiraz, il est juste à côté de Persepolis en Iran, mais beaucoup de gens ne savent pas, c'est le secret, puisqu'actuellement, ce secret a été éclaté dans le monde politique, tout le monde, il est en train de parler de l'alliance de Qatar avec la République islamique d'Iran, et surtout qu'il était puni. Arabie Saoudite a décidé de couper ses relations et certains pays aussi. Avec Qatar. Et Qatar, n'oubliez pas, depuis que cette femme est entrée dans le bras de M. Hamd bin Khalifa, c'est-à-dire le papa du prince actuel qui était prince, alors il a fait énormément de changements dans la situation du peuple de son pays, aussi on peut dire, et surtout les femmes. Et elle a une relation énorme avec toutes les princesses et toutes les premières dames du monde, qu'il soit Carla Bruni et qu'il soit Brigitte, c'est la femme de Macron, et Madame Chirac,
et aussi les autres femmes présidentes ou rois en Europe. Et plusieurs fois, il avait fait des actions en faveur des gens, soi-disant palestiniens, de pauvreté et tout ça. Il a réuni, même une fois, une vingtaine de femmes présidentes-rois, les femmes de présidents-rois, puisqu'elle est très charmante, elle parle plusieurs langues. Alors, il a réussi à faire monter aussi son pays, un petit pays. Alors, ils ont profité d'Iran. Une chose qu'il fallait vous dire, plutôt, c'est Qatar qui a profité de l'Iran. Pourquoi? Puisque l'Iran, il était sous l'embargo pendant des années, qui est toujours. Alors, en cachette, c'est Qatar était un des pays qui arrangeait des choses que l'Iran, il avait besoin, des problèmes banquiers qu'elle avait, des problèmes d'investissement, tous les investissements que vous voyez, par exemple, ici en Europe, qui étaient énormes, que nous les avons cités dans notre émission de ce soir, vraiment, Lagardère, Total, Disneyland, ce sont des choses assez énormes que le capital de Qatar est dedans. Tout ça ne pouvait pas être l'argent de ce pays-là. L'Iran ne pouvait pas investir. Il a profité de ce pays qui était tout petit. Construction dans le petit à Doha, quand vous entrez, Doha, c'est New York. C'est le New York. C'est-à-dire, cette relation cachée avec l'Iran, c'est Qatar plutôt il a gagné pour en faveur de son pays et son peuple. Mais maintenant, cette guerre malheureusement a commencé entre deux pouvoirs et l'Occident ne doit pas prendre un côté seulement. Comme Macron il a dit, en plusieurs reprises il a dit que l'Occident, l'Europe surtout, ne doit pas prendre côté d'Arabie Saoudite seulement le côté de l'Iran. Et l'Europe, il doit jouer avec les dos. Il ne faut pas entrer dans cette guerre qui existe. Les Américains, ils sont déjà entrés, parce que les Américains, Donald Trump, il avoue qu'avec l'Iran, il ne faut rien gagner. Avec l'Iran, ils sont en conflit, ça ne va pas. Il y a plusieurs questions qui ne peuvent pas être réglées rapidement. Alors pour ça, il a dit, ça, je vais laisser tomber. Mais puisque c'est un businessman, il a dit, je vais aller en Arabie Saoudite, profiter de là-bas. Alors, profiter de marché de commerce des États-Unis, 100 milliards de dollars pour le moment, à signer. Et l'argent aussi va venir, cash. Après, on va mettre des années pour honorer le contrat et les accords et ce qui a été vendu. Ça prendra encore du temps, mais l'économie va être sauvée. Cette économie qui va être sauvée, bien sûr, ça va casser de l'autre côté, c'est-à-dire cette concurrence économique. Quand il entre en jeu, en même temps qu'il entre, de l'autre porte, il y a certains d'autres pays qui vont sortir. Il y aura des crises économiques ailleurs. Pour ça, chaque pays, avant de penser aux alliances internationales qu'il peut le faire avec qui ou qui, il faut penser aux intérêts de son peuple et garder cet intérêt pour écraser la pauvreté et donner la chance à tout le peuple de son pays pour pouvoir réussir dans la vie. Et surtout, avant tout, il faut penser à la paix. Il faut éloigner les guerres de n'importe où. Un de nos amis, il avait tout à fait raison, un de nos amis qui a dit, c'est vrai, les Américains, ils ont venu de là-bas attaquer d'autres pays, qu'ils soient l'Irak, l'Afghanistan, ou je ne sais pas où, et depuis qu'ils ont venu pour essayer leurs armements et tout ça, ils ont foutu la guerre, voilà, là-bas. Malheureusement, l'Europe est proche de Proche et Moyen-Orient, cette crise, ces terroristes arrivaient jusque-là aussi, mais moi je suis sûr et certain qu'avec l'intelligence, avec la sagesse, avec nouveaux pouvoirs jeunes en France et en alliance avec l'Europe, on va réussir à écraser et vaincre ce terrorisme automatique, ce terrorisme gratuit.
Et surtout, en éduquant les gens, il faut franchement commencer à parler. Il ne faut pas censurer la vérité et il ne faut pas censurer la vérité sur beaucoup des choses qu'on peut dire au peuple. On peut dire au peuple, on peut parler et on peut dire aux gens. Oui, l'émission se termine et je vous remercie de tous vos appels, toutes vos interventions. Prochaine fois, tout de suite, dès que vous pouvez composer notre numéro avec grand plaisir, vous avez la parole toujours sur votre antenne radio ici maintenant. Et ça, c'était l'émission de ce soir de David Abbassi. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous aime toutes et tous. Et cet amour-là qui nous ramène de rester avec vous même jusqu'à 1h du matin, arriver à la maison 2h, 3h du matin, c'est pour vous. C'est pour vous parce qu'on ne gagne rien, mais on gagne l'amitié et cette amitié, j'espère qu'elle va rester éternellement. Et ce qu'on apprend un de l'autre, on apprend et on transmet ce qu'on apprend aux autres. Il faut le transmettre, c'est ça qui est très important, mes chers amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire lundi prochain, mais les émissions sur votre radio ici maintenant, ça continue, restez avec nous. Bonjour à toutes et bonjour à tous.